Donc bienvenue, c'est vraiment un honneur que vous soyez revenu ou revenu pour essayer de se former à une lecture personnelle de la Bible, une recherche philosophique, spirituelle, selon le goût de chacun. Alors dans la Bible, il existe des miracles tout à fait spectaculaires autour de la nourriture. Il y a par exemple de la viande et du pain qui tombent du ciel, dans un texte que nous allons lire. Il y a une source qui marche dans le désert pour suivre les Hébreux dans leur traversée du désert. C'est quand même assez serviable, je trouve, pour ce rocher source qui les suit dans le désert. Il y a une bouteille d'huile qui est comme une corne d'abondance qui coule et qui coule et qui coule autant qu'il en ait besoin. Et puis, il y a Jésus qui fournit du vin pour une fête de mariage, qui multiplie quelques pains et quelques sardines qu'avait un garçonnet. Donc, ça invite, je crois, tous ces textes à aller chercher vraiment ce qui peut nous nourrir un peu au-delà de notre simple survie, c'est-à-dire au-delà de la simple nourriture matérielle, de chercher ce qui peut faire source, ce qui peut faire source de nourriture et de, je dirais, pour calmer aussi notre soif, notre fièvre dans notre existence. Alors c'est cela finalement, je pense, ce geste-là de s'ouvrir à quelque chose d'au-delà qui est proposé dans ces textes bibliques. Alors je vous rappelle l'épisode précédent, c'est ce que nous avions vu la dernière fois, mais si vous le voulez, vous pourrez aller revoir sur le site ce qui avait été raconté la dernière fois, mais je vais vous le résumer. La mer est franchie par un miracle époustouflant par les Hébreux. Et puis, ils arrivent dans le désert. Alors, la traversée des eaux, comme ça, c'est un peu une image de naissance, comme cette poche amniotique, je veux dire, qui s'ouvre et nous naissons comme à travers l'eau, finalement. Et c'est vrai que notre naissance physique est un miracle absolument hallucinant, quand même. Je veux dire, voilà, un être tout neuf, c'est un tas de cellules, un tas d'atomes, finalement, qui est capable de penser, d'aimer, de rêver un avenir, de faire des poèmes, c'est hallucinant. Mais, nous dit ce texte, c'est traverser de l'eau, c'est comme une naissance, mais c'est pas fini. On nous parle de 40 ans dans le désert, et puis une autre traversée miraculeuse à l'autre bout du désert par la génération suivante. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Le chiffre 40 dans la Bible est un chiffre rond. Or, dans la Bible, quand il y a un chiffre rond, ce n'est pas un signe de quantité, mais c'est un signe de qualité. Donc, il ne faut pas compter 40 sur ses doigts pour arriver à 40. Ça nous dit que cette traversée du désert est comme une gestation. Parce qu'il paraît que la gestation humaine, ça dure 40 semaines d'aménorrhée. Ça fait 40 fois 7 jours, ça fait effectivement un peu plus que 9 mois réglementaires, parce que voilà, donc en fait, le 40 veut dire une gestation. Donc c'est une période un peu lourde, on est un peu, voilà, c'est pas très rigolo, ça semble improductif, mais ça prépare le miracle suivant finalement. Et donc, ça nous dit finalement, cette présentation du récit, ça nous dit que notre gestation dure et dure encore, jusqu'à une nouvelle génération, une nouvelle naissance, une nouvelle dimension de notre être. Alors ensuite, chacun peut lire ça comme il l'entend, on peut avoir des traversées du désert, mais il ne faut pas voir ça négativement comme une période d'échec, il faut voir ça comme une période de gestation, comme une période de préparation finalement de ce que nous serons après. Et c'est vrai, j'ai remarqué quand même que les personnes les plus humaines que j'ai rencontrées, c'est plutôt des personnes âgées, parce que quand on est de la naissance physique au début, il reste encore tant à apprendre et à découvrir, bien sûr. Au début, un bébé, on ne va pas se dire en un an, on va lui faire lire, je ne sais pas moi, l'éthique de Spinoza et apprendre par cœur, pouvoir réciter la théorie de la relativité restreinte et générale d'Einstein, et puis aussi de pouvoir jouer du violon du Paganini. Non, il faut toute une vie
pour apprendre, se former, développer ses capacités, mais encore plus au niveau de la bienveillance, au niveau de la connaissance de soi, au niveau de l'épanouissement de soi. Donc c'est ce que nous dit, je crois, ce texte. Il y a une gestation à poursuivre. Et pour cela, il faut de la nourriture, bien sûr. Mais quelle nourriture pour nourrir cette gestation, ce cheminement? Et puis l'objectif, c'est la terre promise. Terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Et donc finalement, ça nous dit qu'il y a comme une deuxième naissance au bout de cette gestation, une nouvelle traversée des eaux. Et même là-bas, quand on est au top de ce que nous pourrions être, bon, ne rêvons pas, donc c'est toujours relativement à propos de la théorie de la relativité. Mais encore après, nous aurons besoin de lait. Nous aurons encore besoin de quelque chose qui va susciter notre croissance. Et puis aussi, il y a le miel, qui est la douceur, qui est la vie bonne finalement, qui est évoquée à travers ces images. Donc ça, ça nous pose la question de savoir quelle est notre finalité, qu'est-ce qu'on rêve comme étant la vie où nous serons en forme, et là encore, quel sera le lait qui va poursuivre notre croissance. Alors, cette mise en route dans le désert, elle fait écho aussi à travers ce texte que je vous propose, donc Exode 33, c'est un rappel un petit peu de cet envoi dans le désert pour le cheminement. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, et monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Alors là, il y a quelques indices quand même. L'Éternel, c'est Dieu en tant que... Il est source de l'être, parce que ce qu'on traduit par l'Éternel, c'est Yahvé, c'est sur la racine du verbe être, en fait. Voilà, donc en fait, c'est la source de l'être. Et on dit l'Éternel, ça veut dire que déjà, il y a un programme d'un Dieu qui accompagne, et qui pardonne. Donc vous voyez, c'est déjà au départ, cet envoi comprend l'idée du pardon, que nous ferons ce que nous pourrons pour ce cheminement. Ensuite, il le dit à Moïse, à Abraham, à Isaac, à Jacob, c'est donc quelque chose de vraiment personnel, vous voyez, c'est pas, il ne le dit pas au peuple entier, il le dit à des personnes individuelles, et donc nous sommes dans ce texte. Nous sommes Moïse, nous sommes Abraham, nous sommes Isaac et nous sommes Jacob à recevoir cet envoi. Va et pars d'ici, toi. Ça, ça a un écho à l'envoi d'Abraham. Quitte ton pays, la maison de ton père et vas-y, fonce. Tu es béni, tu seras bénédiction. Donc c'est comme un envoi en mission et il est bien connu que ce « va » qui est dit à Abraham, dans l'hébreu, littéralement, il y a marqué « va vers toi-même » ou « va pour toi-même ». Donc c'est une construction de soi qui est proposée dans cet envoi en mission. Et puis il y a « va, toi et le peuple ». Donc oui, l'envoi est vraiment quelque chose de personnel et intime, individuel, et en même temps, il y a ceux qui nous sont confiés, ceux que nous avons à cœur de libérer aussi et d'aider à cheminer dans leur être. Et donc, effectivement, le récit de miracle, ici, c'est un nourrissement, c'est une boisson qui permet, qui invite au mouvement, qui invite à une montée de son être. Alors je vais vous lire maintenant le texte que je vous propose en particulier pour aujourd'hui. Alors là, je l'ai mis en hébreu pour le cas où vous pourriez lire. Bon, c'est un peu pour s'amuser. En même temps, c'est aussi pour vous montrer à quoi ressemble l'hébreu avec ses belles lettres carrées. Et puis tous les petits points, c'est des voyelles qui sont ajoutées. Les lettres, ce n'est que les consonnes. Donc c'est au chapitre 16 du livre de l'Exode. Deuxième livre de la Bible, de la Torah, et c'est le moment où
ils vont effectivement recevoir donc cette nourriture par miracle. Alors je commence à la fin du chapitre 15. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Mais c'est fort agréable, vous comprenez, ça donne envie d'y rester tranquillement. Mais ensuite, toute la communauté des Israélites partit d'Élim pour arriver au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte à travers la mer Rouge. Alors toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et contre Aaron, son frère. Les Israélites leur dirent « Que ne sommes-nous morts de faim par la mort par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte ? Nous y étions bien assis près de marmites de viande. Nous mangeions du pain à satiété. Car vous nous avez fait venir dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette assemblée. » Alors l'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera jour après jour la quantité nécessaire, et ainsi je le mettrai à l'épreuve, et je verrai s'il marche ou non selon ma Torah. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura 2 fois plus que ce qu'ils récolteront chaque jour, donc pour le lendemain, le Shabbat, où on ne sort pas pour aller recueillir la nourriture. Moïse dit à Aaron, « Dis à toute la communauté des Israélites, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos grognements. » Tandis qu'Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se tournèrent alors du côté du désert, et voici que la gloire de l'Éternel apparut dans une colonne de nuée. De feu. L'Éternel parla à Moïse et dit « J'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur en ces termes. Au crépuscule, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasirez de pain. Et vous connaîtrez alors que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Quand cette rosée se leva, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme le givre sur la terre. Les Israélites regardèrent cela et se dirent les uns aux autres, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est là le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, recueillez-en chacun ce qu'il lui faut pour sa nourriture. Un vase par tête, selon le nombre de personnes dans votre foyer. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites firent ainsi, et ils en recueillirent les uns plus et les autres moins, selon ce dont ils avaient besoin. On mesurait ensuite avec un vase, celui qui en avait plus n'avait rien de trop, et celui qui en avait moins n'en manquait pas. Chacun recueillait ce qu'il lui fallait. La maison d'Israël donna le nom de manne à cette chose. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et elle avait le goût de gâteau au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. » Qu'un plein vase de manne soit conservé pour les générations futures, afin qu'elles voient le pain que je vous ai donné à manger dans le désert quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce texte? Pour essayer de comprendre ce qui est dit, eh bien, il faut quand même chercher un peu dans l'hébreu. Parce qu'effectivement, l'hébreu est une langue un peu spéciale parce que les racines des mots n'ont que 2 ou 3 lettres. C'est pas beaucoup, en fait. Du coup, avec le système de combinaison, souvent, la même racine peut avoir des sens très différents, ce qui est source de nombreux jeux de mots. Et c'est comme ça, finalement, que ça donne un foisonnement de sens pour ces textes.
Et quand il y a une ambiguïté, c'est fait pour tisser les deux sens ensemble. Alors le premier jeu de mots bien connu, c'est Midbar, le désert. Je vous l'ai marqué à côté. Ça peut se lire de différentes façons, ces quatre lettres. Min, au début, le M, eh bien, ça veut dire hors de. Donc on peut lire en deux mots, min dabar, min hors de, dabar la parole. Donc ça veut dire quand on est dans le silence, en dehors de la parole, pour écouter. Donc c'est un peu prendre un moment de retrait en dehors du brouhaha du monde, en dehors de tous les bons conseils que donnent les autres personnes, et les religieux, et les philosophes, et les donneurs de leçons, et etc. Donc, hors de la parole. Mais ça veut dire aussi, min dabar, ce qui sort de la parole, c'est-à-dire ce qui sort de bon, ce qu'on va retenir de bon, ce qui va fructifier de la parole. Et donc, ça invite à voir le déploiement dans le futur, finalement, de la parole, ce qu'elle peut produire de bon ou de moins bon. C'est chacun de faire cette analyse, finalement, dans la réflexion personnelle. Et puis aussi, ça peut se lire en un seul mot, parce que le M, ça peut être aussi la conjugaison pour faire le participe présent. Ça fait medaber, dabar la parole, parler au participe présent, ça veut dire parlant. Le désert, le silence, c'est là où Dieu parle. On est à ce moment-là dans la parole de Dieu, dans ce qui fait sens. Alors, c'est une invitation à cette, finalement, ce geste. Alors là encore, quand on est dans la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est là, ce n'est pas simplement un jeu de mots hébreux. C'est le fait, si vous voulez, qu'en hébreu, la parole et l'acte, c'est la même chose, c'est le même mot. Le mot, il y a deux mots en fait pour dire parler, il y a amar et dabar. Le dabar, on le vient de voir avec le désert, midbar. Mais tous les deux mots, c'est, ça veut dire en même temps la parole et l'acte. Pour amar, la parole est la parole créatrice, c'est-à-dire Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et puis, dabar, c'est de la parole, c'est pas simplement de la révélation ou de la philosophie. Ça dit un acte de Dieu. On dit Dieu est libérateur, eh bien ça veut dire que Dieu libère. Vous voyez, c'est comme ça. Et c'est pour ça, si vous voulez, que l'hébreu essaye de dire à la fois un sens et un acte. Et que le sens est dit à travers des récits. Tout est un peu comme ça, à double niveau, si vous voulez. Et cela, il faut arriver à s'y faire. Et c'est comme cela, finalement, qu'écouter la parole, c'est s'ouvrir, finalement, plutôt à un geste. Il y a marqué, donc, la libération, le récit de libération, c'est s'ouvrir à une libération de soi-même. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, cette immersion dans la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'apprendre par cœur des dogmes, des versets et des théologies. Il s'agit plutôt d'une ouverture à ce qui est source de vie. Donc, ça convient aussi bien aux non-croyants, bien sûr. Alors ensuite, vous avez entendu au milieu un passage un peu choquant où il y a marqué que Dieu voulait les éprouver pour voir s'ils suivaient la Torah. Là, il y a un jeu de mots qui est un peu plus compliqué parce que ce n'est pas simplement la racine qui veut dire plusieurs choses, comme nous l'avons déjà vu, comme nous le verrons après, mais c'est une assonance. C'est-à-dire qu'il y a des consonnes différentes qui peuvent vouloir dire, qui peuvent signifier le même son. Et donc là, nasa, ça peut vouloir dire mettre à l'épreuve quand c'est nun sem he, et ça peut vouloir dire soulever, porter, quand c'est nun shin aleph. Par homophonie, il y a un jeu de mots par homophonie. Donc on peut voir là aussi être éprouvé, ça pourrait être pour garder le meilleur de nous-mêmes et puis rejeter ce qui est souffrant. Ou ça peut vouloir dire élever comme on élève un enfant, ou porter quelqu'un quand il n'a pas la force d'avancer. C'est à chacun de voir ce qu'il va saisir dans ce texte. Alors ensuite, il y a un jeu de mots pour la manne. On l'a entendu, c'est du pain
qu'on reçoit le matin pour manger à satiété. Et on l'a entendu, ils donnent le nom de manne à ce truc, ce machin, puisqu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils l'appellent du « qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est le nom qu'ils donnent à ce pain qu'ils vont recevoir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le matin, il faut faire le plein de questionnements, de questions, d'interrogations. Et c'est effectivement ce qui nous prépare à la journée, prépare à un cheminement. Alors, cette manne, elle apparaît dans la rosée. La rosée, c'est le signe dans la Bible de la bénédiction. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ferait même fleurir le désert. D'où ça vient, la rosée ? C'est surprenant. Il n'a pas plu, il n'y a pas eu de fleuve qui arrive, et tout d'un coup, il y a de l'eau et ça va fleurir. Donc, ça exprime quelque chose qui vient d'on ne sait où et qui fait fleurir notre existence. Et donc, ça aussi, c'est à chacun de chercher voilà, ce que ça peut vouloir dire dans son existence, d'aller chercher au-delà. Et puis, la graine de coriandre. Le mot coriandre, c'est Gad, et Gad, ça veut dire aussi le bonheur. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Hein, ça peut vouloir dire plusieurs choses, donc c'est deux lettres, cette racine à deux lettres, Gad, ça veut dire le bonheur et le coriandre. Donc cette manne, ce questionnement, c'est comme une graine de bonheur qui est proposée, qui est à cueillir et à manger. Et puis c'est blanc comme du lait, et ça a le goût de miel, donc déjà, si vous voulez, c'est comme un début de ce qu'ils vont recevoir dans la finalité du développement, du cheminement. Et là aussi, ça invite à goûter à travers ce questionnement eh bien, ce que nous avons comme visée dans notre cheminement. C'est à, là aussi à recevoir le matin dans notre propre questionnement. Ensuite, pour la caille, vous supposez bien que là aussi, il y a un jeu de mots, parce que ce n'est pas demain matin ou demain ce soir hein, qu'on va avoir des cailles qui vont pleuvoir dans notre jardin. Caille, c'est de la viande à manger le soir, nous dit le texte. Et la viande, la chair, c'est bessar. Et bessar, ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire la bonne nouvelle. Il y a un mot spécial en hébreu pour dire « bonne nouvelle ». Donc, la chair, c'est l'évangile, en fait, ce qu'on appelle en grec évangile, c'est la bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle, c'est à chacun de se nourrir, d'aller ramasser les bonnes nouvelles qui ont pu monter ou tomber dans la journée, le soir. C'est une, je pense, c'est une sorte de réflexion, c'est une sorte de méditation le soir de sa journée pour chercher tout ce qui a pu être reçu de bon, même comme bonne nouvelle, par exemple, entendue à la télé, vue dans le journal, entendue par quelqu'un, c'est une sorte de gratitude, si vous voulez, par ce qu'il y a de beau dans la vie. Alors l'écaille, elle monte, hein, c'est comme quelque chose qui monte en nous, de gratitude, de réjouissance, et qui couvre le camp. Donc c'est à l'intérieur de nous-mêmes, de notre vie, de la vie du monde. Alors que la rosée et la manne, elles tombaient plutôt à l'extérieur, plutôt dans la marge, finalement, de ce que nous connaissons. Alors ensuite, on voit au milieu qu'il y a la gloire de l'Éternel qui apparaît comme une colonne de nuée et de feu. Là encore, il ne sait pas attendre tout d'un coup d'avoir une colonne de nuée et de feu, ou alors c'est un peu inquiétant, ça peut être l'usine chimique qui a eu un léger problème avec, son disjoncteur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, dans l'Exode, la dernière fois, on l'avait vu comme une colonne de feu. Elle était nuée et ténèbres, et elle éclairait la nuit. Alors ça a été repris par Jean de la Croix, un mystique du XVIe siècle, fort connu et assez inspirant. Et la nuit était ténébreuse, et elle éclairait la nuit. Les mystiques disent cela, c'est quand tout d'un coup, on n'y comprend plus rien à la théologie, et qu'on arrive à accéder, si vous voulez, qu'on a se lâcher prise sur, je dirais simplement, se réfugier dans les doctrines et dans les dogmes, pour plutôt s'ouvrir à une expérience mystique, spirituelle. Donc la colonne de nuée et de feu, ça exprime plutôt l'expérience
spirituelle, l'expérience de Dieu, ou ça peut être aussi pour le philosophe, l'intuition, quand il sent que là, il touche quelque chose qui, pour lui, est de l'ordre de l'essentiel, qui va le mettre en mouvement. Et puis, vous connaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Connaître, c'est pas le, comme dans le grec, l'idée d'une connaissance théorique, d'avoir l'équation de Dieu. Connaître, en hébreu, ça veut dire aussi bien avoir des relations sexuelles avec sa femme. Il y a marqué, hein, Adam connut Ève, sa femme, et ils conçurent un enfant. Donc, c'est une connaissance expérimentale de Dieu, si vous voulez. C'est effectivement quelque chose de l'ordre de l'expérience spirituelle mystique, au-delà même du dogme, de la connaissance. Alors après, on peut chercher à le traduire, notre expérience, nos intuitions en mots, mais ce n'est pas forcément la question. Et ça, ça éclaire la nuit, ça éclaire notre nuit, nos ténèbres, c'est-à-dire ça donne une autonomie, parce que ce n'est pas simplement un rail ou un chemin qui est devant la colonne, c'est plutôt ça éclaire la nuit, donc on va voir un peu les tenants et les aboutissants pour se diriger. Donc là, il y a comme un programme, si vous voulez, pour l'humain. Alors vous allez me dire, après ce brillant exposé, que si on ne connaît pas l'hébreu dans les deux sens, et en travers et en large, et les racines et les conjugaisons, on n'a aucune chance de lire la Bible. Ben, pas du tout, en fait. C'est pour aller plus loin. C'est pour vous montrer, si vous voulez, que dans le texte, il est prévu, dans la constitution même de ces textes, une pluralité de sens. Il y a un déploiement qui est à l'intérieur même de l'écriture du texte. Mais une lecture naïve, spirituelle, c'est l'essentiel de ces textes, qu'on se laisse inspirer par ces textes à sa façon. C'est ça l'essentiel. Et c'est fait pour, c'est-à-dire ce que l'on peut aller chercher en grattant derrière les racines, c'est déjà exprimé par la trame même du récit. Donc en se laissant naïvement inspiré par ces récits et se sentant libre, comme quand on lit un poème, si vous voulez, libre d'être inspiré par ce que le texte nous dit, c'est tout à fait pertinent. Quand le poète parle d'un frais cresson bleu, il n'y a pas de cresson bleu, si vous voulez. Ce n'est pas la question. C'est pour inspirer le lecteur. Et donc ici, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, laisser l'Égypte derrière et ses pots de viande, qu'est-ce que ça veut dire sur vous? Comme quelque chose, une sorte de confort qui nous gardait emprisonnés dans ce que nous étions hier. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre en route? En route comment? En route quoi? En route vers quelle terre espérer? Espérer quelque chose, déjà, si vous voulez. Et puis, quelle nourriture, quel temps de retraite, de méditation, de réflexion nous nous donnons pour nourrir ce cheminement? Voilà ce qui est la question. Une nourriture venue d'où? Simplement à l'intérieur de nous-mêmes ou alors dans les marges, comme le suggère la manne. Alors c'est ce que dit saint Augustin. La Bible, on peut la lire d'une manière tout à fait naïve et humble en se disant ben, « je vais voir ce que ça va m'inspirer ». Et puis ensuite, c'est un texte qui grandit avec le lecteur. C'est-à-dire que plus on gratte, plus on revient, plus on comprend les jeux entre les différents textes qui se répondent, qui s'interrogent et qui se contredisent. Eh bien, on va entrer dans d'autres niveaux de sens et donc ça va grandir avec nous. Saint Augustin, dans les Confessions, il dit ça, la Bible est comme une cathédrale avec une entrée basse. Il faut se rendre petit si on veut pouvoir grandir, il faut se reconnaître petit. Et puis des voûtes immenses, l'écriture qui veut grandir avec les petits. Alors avoir faim et soif, quel carburant pour le cheminement vers quoi? C'est déjà être vivant. Et puis on voit au milieu qui réclament, les Hébreux réclament contre Dieu, disant « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas nous mener à la mort » et puis réclament contre Aaron et contre Moïse. Réclamer contre Dieu, c'est bien, si vous voulez. Être grognon, être indigné, ben c'est ne pas camper sur place, c'est déjà, si vous voulez, de l'indignation, hein, comme dirait
Essel, indignez-vous. C'est une bonne dynamique, si vous voulez. Contre Moïse et Aaron, c'est moins sympa, parce que bon, je veux dire, on réclame contre son frère, on tape sur son frère. C'est pas forcément la meilleure chose à faire. Alors dans ce texte aussi, je veux dire, sans aller chercher les racines hébreux, il y a une sagesse pratique qu'on peut cueillir au long du texte. Hein? Chaque jour, il faut prendre au jour le jour. On ne va pas dire, on va faire un grand réservoir de bonnes questions à se poser et puis de bonnes choses que l'on veut, pour lesquelles on veut avoir de la gratitude. Non, c'est au jour le jour que ce travail sera nécessaire. Si on le garde plus longtemps, ben en fait, notre questionnement, notre gratitude, notre reconnaissance, va pourrir. C'est au jour le jour. Et puis, il faut garder le temps du repos où on ne va pas. Oui, même ce bon questionnement, cette bonne méditation, ben, il y a des moments où il faut laisser tout ça de côté, la foi, la prière, la réflexion, la lecture de la Bible, la philosophie. Simplement être bien, faire la sieste, si vous voulez. C'est l'éloge de la sieste. Se rendre compte que voilà, il y a du temps pour simplement être. C'est le jour du Shabbat. Faut prendre juste ce qu'il faut, ni trop ni trop peu. Hein. Faut pas ce questionnement, cette nourriture, c'est en fonction de ce que chacun a besoin. Donc on n'a pas à faire la leçon aux autres en disant eh ben non, c'est chacun fait comme il a besoin. C'est un peu comme le bébé qui tète sa mère. Il prend ce dont il a besoin, normalement. On laisse téter tant qu'il a besoin, puis quand il arrête, ben c'est que c'est fini. Et voilà, il faut laisser cela. Et puis le lait, d'ailleurs, il va changer, le lait maternel, il va changer, il va s'adapter à la croissance de l'enfant, et c'est fait pour. Voilà. Alors, il y a aussi, si vous voulez, connaître, goûter l'Éternel, ça veut dire qu'il faut chercher en nous, ce qui fait source, vous voyez, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien pour notre cheminement, ce qui produit des fruits de croissance, de cheminement, goûter ça et y reconnaître là la source qui nous fait avancer. C'est une démarche, je vais dire, expérimentale, de théologie, de philosophie, de sagesse expérimentale. Sentir ce qui nous correspond. Parce qu'il y a des gens qui savent très bien ce qui correspond aux autres, semble-t-il. Il ne faut pas forcément se laisser avoir. Alors ensuite, qu'est-ce qui fait miracle dans ce texte? Est-ce que c'est matériel, magique, du pain qui tombe et puis des cailles, toutes rôties qui tombent et couvrent le camp? Moi, on a le droit de croire ce qu'on veut, si vous voulez. Moi, je trouve que penser que c'est matériel, c'est assez aliénant. Et puis c'est inquiétant, parce que si Dieu était capable, s'il y avait un Dieu qui serait capable de faire pleuvoir du pain sur la table du pauvre, qu'est-ce qu'il fiche alors qu'il y a des milliers d'enfants qui aujourd'hui même meurent de faim? C'est inquiétant pour l'idée qu'on se fait de Dieu, je ne crois pas du tout à ce Dieu-là. Il attendrait quoi? Qu'on prie assez fort pour nourrir les enfants qui meurent de faim? Mais c'est dégoûtant, si vous voulez. Donc ce n'est pas ça. Ce serait culpabilisant et aliénant, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas assez prié fort pour les enfants qui meurent de faim. Enfin, je veux dire, c'est invraisemblable. Oui, alors, d'où vient alors ces miracles de nourriture qui viennent dans le désert, qui nous sont donnés d'ailleurs, d'en haut? Alors, on peut dire qu'il y a une sagesse de vie, il y a quelque chose de psychologique, de spirituel, oui. Il y a quelque chose comme ça, je pense, pour certains. Il peut y avoir aussi quelque chose de spirituel au sens où c'est Dieu en nous, si vous voulez. Il y a une activité de Dieu en nous qui nourrit, qui nous nourrit de l'intérieur, qui nous nourrit aussi les uns par les autres, peut-être. Ça, je pense, oui. Mais c'est difficile de dire entre sagesse de vie psychologique et ce qui vient de Dieu à l'intérieur de chacun, qui peut tracer la limite entre les deux, si vous voulez. Le croyant dira, ça vient de Dieu à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint, le souffle. Celui qui ne croit pas en un Dieu transcendant comme ça, dira, ben, c'est psychologique,
je dirais, là, en nous-mêmes, il y a des ressources profondes, et il appellera ça spiritualité, libération d'énergie, je ne sais pas quoi. Bon, de toute façon, il y a un continuum entre croyants et chercheurs, bien sûr. Hein? De toute façon, quand on nomme Dieu, s'il existe au sens d'un être indépendant de l'univers, c'est quelque chose de compliqué, si vous voulez. Comme le disait Jean de la Croix. Alors sinon, la révolte du peuple et la prière de Moïse qui prie pour le peuple. Toujours dans ces textes bibliques, nous sommes à la fois tous les personnages, c'est-à-dire nous sommes à la fois et le peuple qui grogne et Moïse qui cherche vers l'éternel, vers la source, la solution. Nous sommes à la fois les deux. Donc Moïse, ça représente le meilleur de nous-mêmes, si vous voulez, avec cette étincelle qui va de l'avant, qui va chercher au plus profond. Et puis, il y a aussi le peuple, c'est ce qui en nous, si vous voulez, est un peu lourd, un peu... Vous voyez, qui a du mal à avancer, qui grogne, qui ne comprend pas, qui est attaché simplement à manger des plats de viande et qui finalement est bien content de rester dans cette aliénation d'Égypte où on lui dit que faire, que penser. Que... Donc on est les deux et je crois qu'il faut un peu faire la part des choses dans cela. Alors, il y a différentes relectures qui sont proposées dans la Bible elle-même de ce texte avec les miracles de la manne et des cailles. Par exemple, donc, Ésaïe, au chapitre 43, donc c'est un grand prophète. « Ainsi parle l'Éternel, qui donne dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui fait sortir des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers. » Ça, c'est l'armée des Égyptiens. « Soudain, couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. » Tout ce qui en nous retenait en arrière dans l'aliénation qui est nettoyée. Et ensuite, Ésaïe dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Me voici faisant une chose nouvelle qui germe maintenant. Ne la connaîtrez-vous pas ? Oui, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Oubliez l'Exode comme une histoire ancienne et vivez-la comme une histoire pour aujourd'hui. Alors ça, c'est ce que nous dit par exemple Paul Ricoeur, spécialiste de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'interprétation des textes. Ces récits ne sont pas des événements qui passent, mais des événements qui durent. Et puis, les spécialistes hébraïques hein, de la Bible hébreu, comme par exemple Marc Alain Wakenin, qui est un philosophe, hein, qui est spécialiste du Midrash, c'est-à-dire de la lecture traditionnelle juive qui amplifie le texte de la Torah pour en faire du sens. Il dit « Le fait même qu'un texte puisse offrir d'innombrables interprétations implique qu'il n'y a pas d'interprétation juste. Ce qui conduit en fait à sortir de la logique binaire du vrai et du faux, voilà le sens de l'écriture et les autres sens seraient faux, au sens de la logique grecque, pour entrer dans ce que nous appellerons la logique du sens. » Et donc, effectivement, le terme de vérité en grec, c'est aletheia, un dévoilement d'une vérité cachée, alors qu'en hébreu, vérité, c'est plutôt une vérité de relation, une vérité d'être, une vérité de sincérité. Donc, si vous voulez, pour la vérité grecque, c'est comme si on avait un cadeau dans l'emballage cadeau, puis en tâtant un peu, on essaye de deviner ce qu'il y a dedans sans ouvrir, parce qu'on ne peut pas l'ouvrir, le cadeau, tout de suite, parce qu'on n'est que le 23 décembre, vous comprenez, et qu'on a vu la cachette où les parents avaient mis les cadeaux. Donc il y a une vérité à l'intérieur, il y a bien un objet dedans, et on cherche à le deviner, mais on ne peut pas le voir. Donc aletheia, c'est ça. Il y a un sens, une vérité, et on cherche à l'atteindre au-delà du voile. Alors qu'en hébreu, c'est emouna, c'est du même verbe que aman, qui est
Amen, amen, je vous le dis, c'est une sincérité, c'est une vérité, une fidélité, une sincérité. Donc là aussi, une lecture sincère de la Bible est une lecture qui est dans la vérité. Même si on invente un sens que n'avait jamais prévu l'auteur, c'est même pas la question. Et ça, c'est ce qu'on voit dans des philosophes du XXe siècle qui parlent, pas spécialement des croyants, qui parlent de ce que c'est qu'un texte entre l'auteur et le lecteur. Par exemple, Jean-Paul Sartre, qui parle justement de Moïse et de cette histoire. Beaucoup d'auteurs, beaucoup de penseurs font référence à cette histoire de l'Exode parce que c'est quelque chose de très stimulant. L'auteur qui a écrit un livre reste toujours comme Moïse au seuil de la terre promise parce que c'est la génération d'après qui rentre dans la terre promise. Moïse, lui, il va rester à la porte. L'auteur n'y entre pas. Il en connaît trop les artifices de son bouquin puisqu'il l'a écrit lui-même. Il compte sur l'autre, sur le lecteur, pour recomposer l'ouvrage en le lisant, et c'est par ce lecteur que l'auteur veut être reconnu. Alors un autre, Roland Barthes, spécialiste de l'interprétation et du sens, c'est pas le théologien Karl Barthes, ni le footballeur Barthès, c'est un autre, c'est Roland Barthes, moins connu que les deux autres, mais quand même qui mérite, qui est hyper connu quand même. L'écriture n'est pas un acte communicatif allant de l'écrivain au lecteur, comme si on transmettait, voyez, la vérité. Le lecteur devient producteur du texte, et non plus un consommateur passif qui ne ferait qu'absorber ce que l'auteur lui aurait transmis. Interpréter un texte, ce n'est pas lui donner un sens plus ou moins fondé, plus ou moins libre. C'est au contraire apprécier le pluriel dont il est fait. C'est-à-dire avoir, oui, son interprétation, sa lecture du texte, mais aussi reconnaître cette pluralité de sens que moi-même, je n'ai pas la vérité du texte, mais une vérité. C'est aussi ce qu'on trouve, c'est pas que les philosophes du XXe siècle, si vous voulez, c'est déjà inclus dans le Deutéronome, par exemple, qui est un livre, donc le dernier livre de la Torah. Voilà ce qui est dit. « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il t'a rendu pauvre et enfin il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. » Afin de t'apprendre que l'homme, que l'humain ne vit pas de pain seulement, mais que l'humain vit de tout ce qui sort, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc ça veut dire que, vous voyez, cette parole qui sort de la bouche, il faut la manger. C'est une nourriture spirituelle, au-delà de la nourriture matérielle. Il faut aussi se nourrir, tous les jours, et il faut penser à ceux qui n'ont pas à manger, bien sûr. L'homme ne vit pas de pain seulement, il vit de pain aussi, et puis de pain d'abord, bien sûr. Mais il y a aussi cela, et cette nourriture, cette parole, ces récits de traversée du désert, de miracles, il faut les manger, c'est-à-dire il faut les déconstruire, les assimiler et les faire siens, finalement. Quand je mange une tartine de pain, je ne deviens pas une tartine de pain. Ça nourrit et ça me donne de l'énergie pour être moi-même et pour vivre ma journée en forme. C'est pareil avec ça. Il faut mâcher, assimiler, digérer peut-être, et puis évacuer ce qui ne m'était pas nécessaire aujourd'hui dans un lieu secret, comme le dit Jésus dans l'Évangile, en osant aborder cette question, si vous voulez. Alors, manger la parole de Dieu, c'est assimiler cette manne, ces cailles, interpréter personnellement. Ce n'est pas un appel à la soumission de ce qui est écrit, c'est un appel au nourrissement. Comme le dit le psaume 40, « Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. » Ce texte, il est écrit pour moi, pour que je le mange. Alors, on voit une photographie du psalmiste en train de manger le livre à côté. On trouve ça aussi dans Ézéchiel, en fait.
Alors là, il y a un Nicolas Poussin qui représente les Hébreux dans le désert, mais vous ne le voyez pas trop bien, vous le verriez mieux sur le site internet, c'est magnifique. Alors il y a des relectures qui sont dans les évangiles de ce texte. Il y a Jésus, tentation au désert. Ça relie explicitement, à travers ce qu'il vit, ce texte. Voilà ce qui est écrit, c'est tout à fait le début, il vient d'être baptisé, donc de traverser l'eau, là, lui aussi, hein. Il a fait un plongeon dans le Jourdain. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous voyez, ça ressemble hein, au texte qu'on a entendu. Et après avoir jeûné 40 jours, donc toujours ce 40, 40 jours, 40 mois, 40 années, c'est toujours cette idée de gestation, il eut faim. Bon, après 40 jours et 40 nuits sans manger, on peut imaginer, même si c'est un chiffre symbolique. Et le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répond avec la phrase du Deutéronome, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc là encore, ces textes de l'Écriture, ça nourrit, si vous voulez, ça force pour vivre l'Évangile personnellement, et pouvoir se mettre en chemin pour sa vocation d'être sauveur du monde. C'est aussi pour nous que c'est écrit, si vous voulez. Et l'Exode, et ce récit de Jésus, bien entendu. Alors ce qui est étrange, c'est pourquoi ça ne va pas de faire le miracle de transformer les pierres en pain. C'est que, si vous voulez, c'est bon de faire un miracle pour se nourrir soi-même, nourrir sa croissance et son cheminement. Mais un miracle pour soi-même seulement, c'est un peu l'implosion, c'est-à-dire qu'on met le meilleur de nous au service de nous-mêmes, c'est problématique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de recroquevillement sur soi, alors que si on se nourrit pour développer son cheminement et sa croissance, on se développe en vue de fruits, d'une créativité que déjà on prépare à l'intérieur de nous-mêmes. En tout cas, c'est la question, est-ce qu'on travaille simplement ce travail intérieur, spirituel, on le fait que pour soi, ou si on le fait en le vue d'un soi qui va pouvoir produire du fruit pour les autres et pour le monde. Alors cette tentation, on parle de tentateur, je trouve que c'est très bien dit Tintin au Tibet, avec la tentation de Milou, vous voyez, il y a en lui-même, il y a un Milou ange et un Milou tentateur diable qui lui dit, voilà, est-ce que c'est pour le service ou si c'est simplement pour sa seule jouissance, si c'est donc en vue d'une fructification ou en vue d'une implosion. Alors ensuite, il y a une lecture plus technique dans l'Évangile selon Jean, qui effectivement aime beaucoup, c'est un langage très poétique et puis vraiment à la limite de la philosophie et de la théologie. Il y a un dialogue entre donc les intégristes de l'époque qui essayent de comprendre quelque chose à ce que Jésus propose et puis Jésus qui répond cela. Il lui demande « Quel miracle produis-tu donc ?» Alors là, dans le grec de l'Évangile, c'est « séméion », c'est pas simplement un miracle, hein. C'est un signe, c'est-à-dire un geste qui a du sens pour l'interpréter soi-même. Hein. Donc, « Quel signe produis-tu donc, toi, Jésus de Nazareth, pour que nous croyions, que nous voyons et que nous croyons, c'est-à-dire que nous ayons confiance en ce que tu apportes et proposes. Quelle œuvre fais-tu ? » Et Jésus répond, « Vos pères, ils ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel, pour que celui qui en mange ne meure pas. Et c'est moi qui suis le pain descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la nourriture du monde. » Les Judéens se querellaient entre eux, disant, « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Donc ils en font
une lecture littérale matérialiste. Effectivement, ce n'est pas du tout en cause, ce n'est pas du tout ça dont parlait Jésus, ni là, ni dans le récit de l'Exode, évidemment. Mais la chair, je vous l'avais dit, c'est encore c'est l'Évangile, c'est-à-dire c'est une parole de vie à recevoir pour qu'elle soit en nous, source de vie. Et puis, il y a la question de se nourrir et d'être nourrissant. C'est-à-dire que Jésus, il dit, il faut me manger. Lui-même a mangé la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il l'incarne, il s'est ouvert à cela, et dans un certain sens, à travers sa vie, ses gestes, il veut, il essaye, et beaucoup le pensent, il incarne un petit peu la façon d'être de Dieu. Il incarne une théologie, une façon d'être, une éthique. Et donc, ensuite, il propose de croire par lui ou en lui, d'assimiler cela, de le faire nôtre, de le digérer à notre façon. Mais cela, c'est bien ce qui est proposé. C'est-à-dire que, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, quand il y a une théologie qui est proposée dans le texte biblique, c'est en même temps, oui, Dieu est source de libération, source de nourrissement, source de boisson, mais c'est pour que nous aussi, on devienne source de libération, source de nourrissement, source de boisson. Et donc Jésus dit, voilà, je me suis nourri de ça, et moi, je vous propose, eh bien, un questionnement, une nourriture, une chair, un évangile à manger. Alors ça a été repris beaucoup, donc il y a souvent une image du Christ qui est un pélican. Il paraît le pélican, il se donne lui-même à manger à ses enfants, parce que oui, dans son bec, il y avait des poissons, et le petit bébé pélican, il vient manger dans le bec du poisson, du pélican. Il vient manger les poissons qui sont dans la poche, mais à l'époque, il croyait qu'il venait manger le papa, maman, pélican. Bon. Donc, c'est l'idée de manger le Christ, pour le faire, l'assimiler, faire nôtre. Et puis, il y a l'idée aussi du Dieu qui allaite, qui se donne lui-même comme une maman à manger pour ses enfants. C'est le Dieu El Shaddai, ça veut dire en fait le Dieu aux deux seins. Et on voit ça dans Genèse 49, le Dieu aux deux mamelles, au Dieu de seins nourriciers et à l'utérus aussi. Donc c'est quelque chose, une figure féminine de Dieu, un Dieu qui nous prend comme son bébé nourrissant. Alors là, il va y avoir un nouveau miracle autour de la soif et de l'eau. Le peuple était pressé par la soif, le peuple murmurait contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif ?» Alors Moïse, il est désespéré, il va voir l'Éternel, il dit « Mais qu'est-ce que je vais faire moi, avec ce peuple ?» L'Éternel répond à Moïse « Ben, tu passes devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. » Prends aussi à la main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil et tu t'avanceras. Et voici, moi, je me tiens là, devant toi, sur le rocher en Horeb, dans le désert, et tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël et coula assez pour abreuver tout le monde et les troupeaux. Il y a une relecture de l'apôtre Paul au sens allégorique. « Frères et sœurs, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ, bien sûr. » Alors spirituel, ça veut dire à l'intérieur de chaque personne qu'il y a dans la personne une source de vie qui coule. Alors le rocher, on le voit dans l'Exode, c'est un rocher, c'est la présence même de Dieu qui nous accompagne. C'est pour ça que ce rocher, il nous suit comme sur ses pattes, derrière nous, dans le désert, dans notre nuit.
c'est l'idée qu'il n'y a pas de lieu saint. Voilà, on n'est pas forcé de venir tous les dimanches à la cathédrale pour être sauvé. Tout endroit où il y a quelqu'un qui pense, qui prie, est sur le rocher. Il nous propose de se tenir sur ce rocher. Il y a là une révolution copernicienne. C'est-à-dire, voilà, il faut se rendre présent au meilleur à l'intérieur de nous-mêmes qui est cette source. Et puis taper dessus avec le bâton. Le bâton, ça peut être peut-être un sceptre. C'est-à-dire, c'est par son action, par sa création, par le soin, vous voyez, par le geste qu'on peut avoir. Et puis c'est aussi un bâton pour marcher. Jésus va relire ça en disant « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront à l'intérieur de lui-même. » C'est ça la question. Ce n'est pas simplement à recevoir. Dans le temps, on pensait que la Torah était comme un réservoir d'eau. C'est ce que montre la main qui est à gauche, montrant le réservoir d'eau, la citerne. Et Jésus, avec la main droite, il montre à la Samaritaine qui est près du puits. Il lui montre « Non, c'est à l'intérieur de toi-même. » Donc il y a ce jaillissement à l'intérieur de nous-mêmes que propose Jésus dans une relecture spirituelle. Alors là, on voit Moïse faire couler l'eau de la source avec le Tintoret. Puis là, il y a du 19e, c'est beaucoup plus modeste. Il y a une petite flaque d'eau qui coule. Souvent, c'est pour essayer de rendre les miracles crédibles. Mais si vous voyez, ça met à plat les choses. Ce n'est pas très intéressant. C'est intéressant quand on garde la dimension stupéfiante, transcendante du miracle. Sinon, ce n'est pas très drôle. C'est pas, ça ne nous ouvre pas à un au-delà, à un plus que simplement le prévisible et le tout simple. Alors ça, c'est la multiplication des pains. Bon, on n'a pas le temps de voir ça. On verra ça peut-être une autre fois, une autre année. Ça aussi, dans ce thème-là, Jésus qui multiplie les pains qu'apporte un petit garçon. Cette multiplication, matériellement, ce n'est pas possible non plus. Est-ce que ça peut être compris d'une manière éthique ? Le petit garçon, il ose sortir son sandwich de son sac et deux sardines. Les autres autour ont un peu honte en se disant, ben, en fait, le petit garçon, lui, il ose sortir son sandwich pour le proposer à une foule de 5000 personnes. Les gens sont un peu gênés et puis ils disent, ben oui, moi aussi, en fait, j'avais planqué un peu de réserve dans mon sac, je vais le partager. Et pour la fin dans le monde dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, non, Dieu ne fait pas pleuvoir des pains, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas le Père Noël. Mais s'il nous inspire peut-être comme le garçon de sortir notre sandwich qu'on avait dans la poste, je pense qu'il y aurait largement assez de quoi manger pour tout le monde sur Terre. Donc cette lecture éthique, voyez, vraiment au ras des pâquerettes, c'est le cas de le dire, parce qu'ils sont assis dans l'herbe, je pense qu'elle a du sens, hein, cette lecture-là, toute simple au ras de la réalité. Et puis, bien sûr, c'est spirituellement aussi, hein, évidemment. La parole, le questionnement, la manne, les cailles, les bonnes nouvelles, ce qui nous est venu à cœur, si c'est partagé, ça se multiplie. Quand on partage la recette de la brioche, ben les deux personnes repartent avec la totalité de la recette de la brioche. Et l'évangile, c'est pareil. Quand on partage une bonne blague, les deux repartent avec la blague et même celui qui la connaissait déjà, ça l'amuse encore plus. Et donc, ça se multiplie quand on donne. Je pense que spirituellement, c'est vrai aussi. Et donc, on est amené à multiplier, oui, toutes ces réalités spirituelles que sont la foi, l'espérance et l'amour, si vous voulez. C'est ça, le pain de la parole qu'il fallait manger, oui, quand on le donne, ça se multiplie. Alors, Élisée, la pauvre veuve, on aurait eu le temps de voir ça si j'avais été un peu plus rapide, mais c'est dans le même registre. Et donc, comme je voulais vous libérer à 1h30, eh bien, je vous annonce la prochaine fois, c'est un corps en pleine forme, avec plein de récits de guérisons miraculeuses. C'est mardi prochain, ici même, à 12h30. Si vous voulez retrouver
Eh bien, un petit peu ce que je vous ai raconté, la vidéo, l'audio, pour le passer à d'autres, ou bien les photos, les diapos que j'ai passées, vous le trouverez sur le site héros-biblique.ch. Il y a l'adresse du site sur les petits tracts que vous trouverez sur la table à la sortie. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu et vous souhaite donc un bon retour vers votre travail, vos foyers.